Avertissement. N'essayez pas d'imiter ce qui suit. C'est pas vraiment que vous pourriez vous blesser, c'est plus que vous risqueriez d'avoir l'air fou. Ce soir, à Que feriez-vous pour 100$? Alain Quirion de Debian. Numéro 8988, s'il vous plaît. C'est des nouveaux souliers, ça. Ouais, c'est ça, je n'avais pas essayé avant. Okay. Que feriez-vous pour 100$? Pour 100$, moi, je joue de la cuillère avec mes dents. Pour commencer, j'ai amené mon tube, parce que moi, je suis mort, là. Lui, c'est pareil comme moi, là. Et voilà, ça, c'est. Fait que moi, je suis mort, me ressemble à ça, c'est bien. Il va dire, t'as reconnais, toi, c'est toi, viens, t'inquiète. Et voilà. Et voilà! Ben, bravo! Bon. Là, c'est ça. Les souliers, ouais, qui jasent. Je pense que ça, c'est arrivé. Ah, mais ça, c'est les souliers qui jasent. Oui, c'est parce que c'est arrivé, ça, le soulier à l'eau. Il y avait ça avec mon chum, puis il y avait un petit jeune qui commençait à travailler. Il dit, Christ, je sais bien ça, t'as bien un cœur pas ça. Fait que là, il me facilite les souliers, il dit, tes souliers, ils ont quelque chose, certains, tu sais. Il dit, ben non. Là, il se dit, ben là, il commence à checker, il check les souliers, il dit, ben non, monsieur, ben, ils ont laissé nos pères. Puis là, j'allais niaiser deux, trois fois de même, après ça, j'ai monté, là, mais là, tout le monde le checkait pareil, là, il disait, Chris, il a trouvé quelque chose. Ben, c'est stupide, mais c'était rien que pour rire, ça, c'est pas grave. Et le fameux lapin énergisant. Ah, c'est vrai, le gars, tu me fais penser, mais oui, parce que moi, j'avais auditionné, c'est là, il y a le lapin énergisant, puis moi, il y a un besoin. Voilà. Vous avez aimé ce candidat? Votez dès maintenant sur tva.canoë.com jusqu'à minuit. Le gagnant de la semaine sera dévoilé ce jeudi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 100$ si tu gagnes? Ah, je vais le donner à mes enfants. Ah, 50$ chaque, j'en ai deux.